Et Seigneur de Bohême, c'est mon dernier roman. C'est mon petit dernier qui n'est pas petit parce que c'est un gros pavé de fantasy, de dark fantasy révolutionnaire. C'est un an qui voit la fin d'un empire dans un monde qui est inspiré beaucoup, en gros, de l'Europe de l'Est au tournant Moyen-Âge-Renaissance. Parce que j'aime bien avoir des ancrages historiques, mais là, c'est vraiment un monde de fantasy, ce qui permet complètement de faire de la géographie démesurée, de faire des villes qui sont grandes comme des pays, de faire des mines qui sont grandes comme des villes entières, enfin voilà, avec une steppe complètement infinie à l'est. À l'ouest, un océan dont on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, parce que personne ne peut le traverser. Parce qu'il y a des vaisseaux noirs qui rôdent le long des côtes, qui par moments viennent faire des raids sur les ports, et ça détruit un port entier. Et surtout, ces vaisseaux noirs, on ne sait pas s'ils sont réellement humains. Parce que les gens qui sont approchés sont parvenus en assez bon état pour le dire. Et donc l'Empire de Bohême tient depuis 10 siècles. Il tient parce qu'il a le pouvoir militaire, parce qu'il a le pouvoir religieux, le culte de la lumière. Il tient aussi parce qu'il a le pouvoir commercial, il verrouille le commerce sur les fleuves. Et il a la richesse grâce au lyrium, le métal blanc couleur d'étoile, qu'il extrait des grandes mines. Dans les mines, en plus, on envoie tout ce qui est condamné politique et tout ça. Donc c'est bien, ça permet de s'en débarrasser. Ils deviennent aveugles ou fous au bout de 6 mois, enfin bon. Bon, mais à cause de ça, il y a des choses un peu bizarres qui commencent à traîner dans le fin fond des mines. On n'en parle pas trop, bien sûr. Et puis surtout, il y a la légende fondatrice du premier empereur, Ardan le Pieux, qui a vaincu les Vombs, ces dragons d'ombre qui autrefois asservissaient les hommes. Et en gros, ce qu'on dit, c'est si vous n'êtes pas gentil avec les empereurs, les Vombs vont revenir. Et évidemment, les choses sont plus compliquées. Et donc, Bohême, le roman raconte comment cet empire va tomber, alors que personne ne s'y attendait. C'est un roman qui va d'un printemps en un printemps, qui raconte cette année charnière de l'empire et le destin de 4 héros, 4 qui sont pas les héros habituels en fait de la dark fantasy. C'est pas des élus de la prophétie, c'est pas des grands chevaliers, c'est pas des sublimes magiciennes. Il y a une sublime magicienne dans le livre, mais c'est pas elle l'héroïne. Donc c'est ces héros que personne n'attendait et eux-mêmes ne s'attendaient pas à renverser l'empire cette année-là. Bohême, c'est ma deuxième incursion dans un empire finissant, ou plutôt dans un moment où on voit changer le monde en fait. Et plus que la fin des empires, ce qui m'intéresse, c'est ces périodes où les civilisations changent. C'est ces périodes que certains voient comme des fins absolues du monde, mais qui en fait sont des renouveaux aussi. C'est des périodes qui disent énormément de choses humainement, qui disent beaucoup de choses sur notre société. Pour écrire Bohême, j'ai lu sur énormément de fins d'empire. La fin de l'Empire romain, je connaissais déjà, donc grâce à ma trilogie La Voix des Oracles. Mais j'ai aussi beaucoup travaillé sur la fin de l'Empire mongol, la fin du Saint-Empire romain germanique, sur la fin du royaume de Bohême-Moravie aussi, qui est une de mes grosses inspirations. Mais si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste du royaume de Bohême-Moravie pour comprendre. Et surtout, alors, quand je travaillais là-dessus, mon entourage me disait « c'est super glauque, tu lis que des choses noires ». Pour moi, au contraire, c'est vraiment plein d'espoir, parce que ça montre que, aussi puissant que soit un empire, aussi verrouillé que paraisse une situation, il peut toujours y avoir autre chose qui advienne. Il y a toujours une possibilité de changement, et le changement, en général, n'arrive pas comme on l'attend. Et ce n'est pas les personnes qu'on attend qui vont l'amener. Et ça, pour moi, ça amène beaucoup d'espoir, en tout cas. Et on est dans un monde, dans une société qu'on pense très verrouillée souvent. On dit souvent, on est à la fin de l'histoire, les choses peuvent aller que de mal en pis. Et simplement, quand on regarde en arrière, on s'aperçoit qu'à plein de périodes historiques, les hommes se sont dit ça. Et en général, les choses... oui, il y a eu des périodes difficiles, mais les choses sont allées mieux ensuite. Et c'est aussi ça le message que je veux faire passer dans Bohême, si je veux faire passer un message, voilà. Dans la littérature de l'imaginaire, donc tout ce qui est fantasy, science-fiction, etc., ce que j'aime beaucoup, c'est la liberté qu'on peut y trouver. Et donc j'aime beaucoup changer de genre, déjà parce que si je restais dans le même genre, j'aurais un peu l'impression de me répéter, de refourguer la même histoire en moins bien à mes lecteurs, et ça ne m'intéresse pas de l'écrire. Et en plus, j'aurais pas envie de la leur faire lire. À chaque fois, je vais pouvoir dire que sur cette histoire, j'ai fait le meilleur de ce que je pouvais dans cette histoire-là, quand je me présente face aux lecteurs. Parce que les lecteurs, ils consacrent du temps et souvent de l'argent sur un livre. Donc voilà, quand on leur demande ça, il faut qu'en échange, on apporte vraiment le meilleur de nous-mêmes. Et Les Seigneurs de Bohême, c'est mon projet le plus ambitieux à ce jour. Donc c'est toute une création de monde, et en plus d'un monde en train de finir, c'est 4 histoires entrecroisées, plus quelques autres qui viennent se mettre dedans, et chaque fil d'histoire a des implications sur les autres. Donc quand je l'ai écrit, chaque fois qu'il y a quelque chose qui changeait dans une histoire, il fallait que je change toutes mes lignes temporelles, c'était un chaos sans nom. Voilà, enfin vraiment, c'est un énorme bouquin. Et c'est celui dans lequel je me suis le plus investie aussi, au niveau de la documentation, au niveau vraiment de l'émotion aussi que j'ai voulu y faire passer. Il y a parmi les scènes les plus dures que j'ai eu à écrire de ma vie, une qui est vraiment la scène la plus dure à écrire de ma vie dedans. Et je ne m'y serais pas lancée si je n'avais pas rencontré Critique, mon éditeur, vraiment. L'univers de Bohême, c'est aussi l'univers sur lequel je réfléchis depuis le plus longtemps aussi, avec celui d'Un éclat de givre, qui est un peu mon univers de jeunesse. Et Bohême, c'est une idée qui m'est... Le premier pas de l'univers, c'était un matin,
Donc 4 ans avant que le roman commence, sur les bords de l'Atlantique, après une grosse tempête, où là j'ai eu les toutes premières images de ce roman, qui est Maëve, la jeune Morgane, la jeune sorcière aux cheveux verts, qui avance sur la plage. Et vers quoi elle avance en fait? Elle avance sur une plage après aussi une tempête. Et juste avant une autre tempête aussi, et elle avance vers le port, où là il y a quelqu'un qui l'attend. Et ce quelqu'un qui l'attend, qu'elle voit, c'est Lantane, donc la grande magicienne en robe rouge sublime, qui est en train de repousser les vagues, qui est en train de repousser les vents, debout sur son brise-lames. Et c'est de là que tout est parti. Je me suis demandé quelle était l'histoire de ces deux femmes, en sachant déjà que l'héroïne, c'était pas la grande magicienne, comme j'ai dit tout à l'heure. C'était vraiment la gamine aux cheveux verts, un peu garçon manqué, dans ses vieux vêtements de marin. Et je me suis demandé quelle était son histoire. Et j'avais cette envie d'écrire une grande fresque de fantaisie qui pour moi est un peu un grand roman de vacances, enfin même si c'est sombre et que c'est assez politique par moments, c'est les romans que j'adore lire l'été sur la plage en fait, enfin quand j'avais le temps de lire l'été sur la plage. Et voilà, c'est de là que ce roman est parti, et après pendant 4 ans j'ai rêvé à ce roman, j'ai lu énormément de documentation aussi, comme l'un de mes personnages principaux est Tess Krimer, et Manine Rapière, j'ai fait 2 ans de Rapière, pour me mettre vraiment dans la peau du personnage au maximum, en sachant que ce que moi j'ai fait en 2 ans, lui, il l'a fait pendant toute sa vie. Donc après, il faut évidemment partir de là et puis imaginer. Et donc oui, j'ai beaucoup réfléchi à ce roman, j'ai beaucoup rêvé ce roman avant de l'écrire.